Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie, les amis, de vous retrouver pour notre guidance du week-end. Du week-end du 30 et 31 décembre, donc dernier week-end de notre année 2023 qui fut riche, enrichissante. Je vous ai découvert, pour certains d'entre vous, un petit peu plus que d'habitude, un petit peu plus profond dans les échanges que nous avons eus. Que du bonheur, en tout cas, merci de m'accompagner. Pour 2024, eh bien, écoutez, je pense qu'on s'avance vers un concours, là, hein. 4000 abonnés, 2 guidances à gagner. Je referai les petits concours de Speed Jar. Vous avez été intéressés pour certains, et c'est, bah, pour moi, c'est beaucoup de joie, parce que c'est des petites choses que j'adore faire. Et puis voilà, nos rencontres, on va continuer à s'échanger. Alors, je vous remercie déjà, c'est de m'accueillir chez vous, hein, pour ce week-end. Pour certains, vous avez peut-être d'autres choses à faire, mais en tout cas, merci. Puis si vous ne m'écoutez pas là au 30 ou 31, vous pouvez très bien m'écouter le premier, sachant que les énergies ne sont pas figées dans le temps et je ne vous en voudrais pas. Trêve de plaisanterie, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite avec notre jeu de 32 un petit peu ce qui se passe. On va survoler les messages. Et bien déjà, on a quelque chose qui va être validé, les amis. Un accord, une officialisation. On va se mettre d'accord sur quelque chose. Hein. Nous avons effectivement un nouveau départ ici. Nous avons quelque chose qui démarre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a la fin de quelque chose, une rupture, un arrêt. On stoppe un truc pour démarrer quelque chose d'autre. On ferme une porte, on en ouvre une autre. On a un beau démarrage là. On repart à zéro. Il est vrai qu'on termine une année, on en prend une autre. Hein, si on veut aller par là, hein, bien entendu. Puis on va faire plein de... Comment on appelle ça? On va prendre de bonnes décisions. Hein, qu'on va essayer de tenir. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah non, hop. Alors, nous avons un homme du lointain, un homme qui habite un peu plus loin que chez vous, ou bien c'est une situation en lien avec un autre département, une autre ville, une autre région, quelque chose qui va vous mettre un petit peu en colère là. Hein. Bon, ça va être de courte durée parce que de toute façon, vous avez la réussite. Hein. Vous atteignez la montagne, vous réussissez à ce que vous vous souhaitez. Nous avons ici, bon, eh bien vous avez peut-être la réussite sur des gens pas sympathiques. Il y a une petite... mésentente là, peut-être qu'on a affaire à des gens de mauvaise foi également. On voit qu'il va y avoir un face-à-face, hein, ça va entraîner certainement le fait d'être obligé de se rencontrer ou de voir des gens qui sont pas forcément très agréables. Ça peut être inattendu, totalement inattendu, ça peut être une jeune fille blonde, mais ça peut être également une situation complètement inattendue, un imprévu, un rendez-vous. Effectivement, qui va un petit peu aller vite, mais qui va aussi vous déstabiliser. Hein. C'est quelque chose qui va arriver d'un coup. Alors, il y a peut-être une situation en lien avec un homme de cœur, une personne proche de vous, en tout cas. C'est une personne qui est sincère, ça. C'est peut-être elle qui a des soucis autour d'elle. Hein. Nous avons ici, de toute façon, quelque chose qui va être validé. Contrairement à ce que l'on peut croire, des gens qui ont essayé peut-être de mettre des bâtons dans les roues, il y a une validation, il y a quelque chose qui est acté. On voit bien que c'est tout à fait officiel, c'est une démarche complètement officielle. Il y a une officialisation, hein, en lien grâce à cet homme, ou bien c'est la même personne, c'est également une personne qui vous accompagne. On a ici là, une dame de carreau, une dame pas forcément des plus sympathiques, vénale, mais aussi ça peut être quelqu'un qui représente un certain cadre d'emploi.
Voilà, un des démarches, là, un des palabres avec elle, hein, pas toujours donc très. On ne va pas avoir le même langage. Ça concerne des papiers administratifs qui vont coincer. Ça peut être aussi en lien avec ce monsieur. Alors, si c'est des papiers administratifs, c'est vaste, hein. C'est peut-être en lien avec lui. Maintenant, ça peut être votre chéri qui est plus jeune que vous, hein, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ce côté immature. Mais ça peut être également aussi un fils, un petit-fils, hein. On a tendance à l'oublier. Je coupe la sonnerie de mon téléphone. J'avais pas, je ne l'avais pas fait. Hop, voilà. Et nous avons, eh bien, c'est en lien avec la maison. Donc, c'est bien effectivement un membre de la famille ou votre chéri, s'il est plus jeune que vous. On a des gens pas sympathiques autour d'un courrier, papier administratif, hein, qui touche peut-être votre homme de cœur. Ou une situation avec votre papa, d'ailleurs, hein. On voit bien qu'il va falloir rencontrer quelqu'un. Et au milieu de cette rencontre, il y a une femme pas forcément sympathique. On voit qu'il va, vous allez acter quelque chose, hein, de toute façon. Pour pouvoir démarrer quelque chose, il va falloir peut-être aussi de l'inattendu. On est peut-être en lien aussi avec de l'imprévu, hein. Ça concerne la maison. De ce fait, on va faire un petit déplacement pour aller voir un homme officiel. Quelque chose qui va, risque de se faire assez vite. On peut aussi se déplacer pour aller voir le médecin pour une personne. Alors, ça peut être un papa ou votre homme de cœur aussi, hein. Alors, le 7. 8, il y en a 1, 2, 3, 3, 8. 3, 8, on est sur le projet, effectivement, projet d'association. Il peut être question d'un mariage, hein, également, tout à fait. Une légalisation qui peut-être ne plaît pas à tout le monde. 9, 10, 1. Seul. Valet. Un valet, le roi, un, deux, trois rois. Ben, trois rois, on a la protection. Hein. Puis, protection, en fait, on est pratiquement au succès. Donc, même si on voit qu'il y a des gens ou une situation qui a pu coincer, on voit très bien que de toute façon, il y a la signature, vous allez réussir. Hein. Les dames, je n'avais pas dit, j'ai pas dit les dames. Il n'y en avait que qu'une. Hein. Roi, et alors, l'as, un. Il y a trois as. Hein. Il y a trois as, les amis. Ben, trois as, c'est quand même un coup de chance qui arrive là. On a une opportunité qui va se présenter. Bon, allez. On va en mettre une sur notre dame de carreau, puis notre valet de pique. Dame de carreau et valet de pique. Le valet de pique, ça concerne ou une somme d'argent. Hein, votre dû, ou bien c'est tout simplement un contrat, quelque chose qui va être pérennisé en fait. Peut-être qu'on a eu du mal à vous l'accorder ou vous le réclamez d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi dans l'activité de tous les jours, une signature. On voit bien que c'est autour d'une signature. Hein. Et cette dame, de toute façon, vous avez le dessus, vous allez pouvoir valider. Alors on voit très bien ici quelque chose qui va finir par aller très vite, qui a déstabilisé, mais on voit bien une signature. On voit des papiers administratifs et c'est complètement officiel. C'est une situation qui est légalisée. On voit très bien que c'est grâce à cet homme ou c'est en lien avec lui, en tout cas, il va y avoir des palabres, des discussions, certainement des discussions en lien avec votre papa pour la maison ou bien avec votre chéri pour la famille, le foyer. On voit qu'il est question de face à face, peut-être de face à face impromptu, imprévu, mais en tout cas, ils sont bel et bien là. C'est face à face, c'est démarche. On voit bien que c'est en lien avec un jeune homme, ou bien en grâce à ce monsieur d'ailleurs, il va y avoir quelque chose qui va être validé. Il y a un accord qui est validé. Bon, eh bien écoutez, on va regarder tout de suite avec le Witchy, le Normand. Hop. Allez. On va survoler un petit peu ce week-end avec notre Witchy. Oups. Et nous avons l'encre. Nous sommes un petit peu stressés là. On est stressés à la recherche d'un équilibre, d'un attachement important qui
peut-être nous fait un petit peu peur, cet attachement. Il est en lien en tout cas avec un enfant ou peut-être un nouveau départ. Il y a quelque chose qui me fait dire que vous êtes un petit peu inquiet sur quelque chose qui démarre ou quelque chose qui vient de commencer. Vous êtes très attaché et vous êtes un tout petit peu inquiète. C'est peut-être une rencontre que vous avez fait par Internet ou c'est également vos rêves, enfin le succès qui se présente à vous. Et ça vous fait un petit peu peur. Allez, on va en mettre quelques-unes comme ça. On va piocher un peu les énergies. Et au dos, nous avons... Eh bien, on retrouve cette encre, hein, cet attachement important que vous avez avec ces étoiles, ce succès qui va se mettre en route, là. Peut-être aussi que vous avez enfin réalisé vos rêves, vos espoirs. Ouais, oui, regardez, on voit bien qu'il y a où une union qui se fait, une rencontre sentimentale qui aboutit, ou bien on est sur un contrat là, qui va aboutir aussi. On a pu le voir, malgré ces gens qui avaient autour, là, dame de pique, et dame de carreau et valet de pique, on voyait bien que ça aboutissait. Nous avons en dominant le ying, le yang, pardon. Le yang, ben, c'est mon consultant, c'est vous, c'est une énergie masculine également. Peut-être que vous avez envie de mettre fin à une situation. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous, mon consultant. On est sur la grande transformation, là. Hein. On est sur la grande transformation. Il y a des connaissances. Il y a peut-être eu un travail d'équipe qui a été fait aussi. C'est également là, on va fêter. On peut fêter quelque chose qui s'est arrêté, qui s'arrête. On est sur une grande transformation. Là, on voit que vous allez sûrement faire la fête également. C'est tout à fait normal. Pour certains, évidemment, puisqu'on fait quelque chose qui s'arrête, on repart sur quelque chose de nouveau. Il peut y avoir de nouvelles connaissances également, comme un groupe d'amis qui se fait également pour vous. Il peut y avoir la fête qui va se faire à la maison pour certains. Mais si pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai une petite exception. Si fête, il devait y avoir pour certains à la maison, elle ne va pas se faire. On l'annule, vous voyez. C'est comme si vous aviez décidé d'un seul coup d'un seul qu'elle n'aurait pas lieu à la maison ou que pour X raison, elle ne peut pas se faire à la maison. Pour d'autres, on voit très bien qu'effectivement, il va y avoir une fin de quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un événement qui se fait à la maison, mais on va peut-être le faire autrement. Peut-être aussi qu'il a été question de faire une fête là avec des associés en lien avec le travail. Elle a peut-être eu lieu à la maison d'ailleurs. Vous fêtez aussi quelque chose comme si vous coupiez une situation dans le travail et j'ai l'impression que vous arrêtez ou vous arrêtez ce travail d'équipe ou vous arrêtez de travailler avec des collègues. On voit bien qu'il y a une grande transformation qui peut toucher un travail d'équipe ou à plusieurs, des connaissances également, qui peut être dans le domaine du travail. Maintenant, si ce n'est pas dans le domaine du travail, c'est vous qui avez un regard complètement différent, et bien vous êtes méfiant par rapport à une situation qui peut être en lien avec la maison d'ailleurs, hein. Mais il y a des solutions qui sont là. Alors, si événement était en passe d'être annulé, peut-être que vous allez être malin comme un singe et trouver une solution pour vous sortir de cette situation. Vous voyez, on voit les nuages. Pour vous sortir de cette situation, c'est bien ce que j'étais en train de dire. Parce que pour certains, il peut y avoir un petit peu de nostalgie quand même, également concernant la maison. Ou concernant son bien-être, son soi, enfin à l'intérieur de soi, hein, fatalement. Ça peut être comme une famille un petit peu, on est un peu perturbé, vous voyez. Alors, je vais en mettre parce que c'est intéressant quand même de voir. Alors, nous avons un couple, hein, là, en fait. Hein, énergie masculine, féminine, nous avons bien un couple. Donc, ce couple, j'ai l'impression qu'il est question de beaucoup de romance, de quelque chose qu'on ne va peut-être pas avoir envie de faire pour pouvoir pas simplement passer des moments à deux. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un couple aussi qui est rempli d'émotions, là. Il y a un voile qui va se lever sur une situation qui, en fait, va être découverte, là. Parce qu'on a peut-être, il y en a un des deux qui n'était pas très honnête. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça, attention. Hein. Et j'ai l'impression que, du coup, on va mettre un terme et on va passer à autre chose. Hein. D'où ces nuages. Hein. Mais n'oublions pas que la solution, elle est là. Hein. Vous avez les clés. Hein. Ça, c'est pour ceux qui rencontrent déjà des problèmes. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se créer. Ça va être perçu presque, j'ai envie de dire, comme une porte de sortie, vous voyez. D'où ce terme que j'utilise toujours, le cercueil, c'est la transformation. Hein. Ça peut être en lien avec un travail professionnel qui s'arrête, qui coupe. On va le fêter. Peut-être qu'effectivement, on va démarrer une mise à la retraite ou autre. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est une fête à laquelle on ne veut pas aller et on préfère être à deux.
Pour d'autres, c'est effectivement une fête qui va être annulée. Mais pour X raisons, certains vont trouver une solution. Il va y avoir de l'inattendu là et on va pouvoir rebondir, aller sur ses pieds, j'ai envie de dire. Pour certains, il peut y avoir un problème qui est rencontré à travers le couple. Et peut-être qu'on est justement regardant. On regarde les choses différemment, on lève le voile. Alors quand je dis problème, pour moi, à mon sens, peut-être qu'on met en avant une situation et comme on lève le voile, eh bien, j'ai l'impression qu'on va sortir de ces nuages et on va pouvoir trouver une solution qui est plus ou moins plus adaptée. Ce renard peut être en lien avec l'activité professionnelle, comme c'est vous hein, qui pouvez effectivement avoir un regard différent. On voit que vous êtes très attaché à une situation, en tout cas. Il va sans dire, l'encre, ça fait un moment qu'elle ressort. Hein. Voyez, on retrouve ce petit côté du petit stress, mais alors avec ce soleil, il y a une belle mise en lumière d'une situation. Il va sans dire, quelle qu'elle soit, il y a une solution qui est trouvée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du dialogue et des échanges. Bon, on va regarder maintenant côté sentimental pur et dur. On va prendre quelques cartes avec... Non, j'ai oublié de vous faire... Bon, on fera Béline après. Je fais un petit peu le sentimental. On parle à l'envers, là, c'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas. Je voulais vous faire un 13 cartes avec le Béline de Joanne. On va le faire après. Allez, sentimental. On va regarder un petit peu. Émotionnel. On a ce trèfle. On retrouve ce trèfle. On retrouve cet inattendu. Ce côté qu'on va enfin pouvoir couper une situation, la renouveler, prendre une décision rapide. On retrouve notre au dos, notre trèfle. Effectivement, les étoiles, ça brille. Alors, ou pour certains, il y a une question de connexion par Internet, hein, évidemment. Ou tout simplement, il y a également pour d'autres un rêve qui va enfin, on est sur la bonne voie, on va pouvoir réaliser ses rêves, on va réaliser ce qu'on avait envie puisque on va trouver un équilibre, on va enfin être attaché ou lié à quelque chose ou à quelqu'un, ce qui va nous permettre de trancher ou avec sa solitude ou également de trancher par rapport à une situation, une solution qui va être trouvée. La fausse est également, ça me fait dire aussi que vous prenez une décision, vous avez tranché sur une situation sur laquelle vous étiez peut-être en train de discuter depuis un petit moment. On voit que la solitude prend fin hein, pour certains. On peut voir pour d'autres effectivement cette rupture, cette décision que l'on veut prendre. Eh oui, à cause de conflits qu'il y a eu. Hein. On voit très bien que pour certains, on ne va pas se mentir, il y a un conflit, on prend une décision, hein, on coupe. On tourne le dos. Pour d'autres, il peut y avoir aussi beaucoup d'attachement qui peut être aussi charnel, beaucoup d'échanges, quelque chose de lumineux, une rencontre également sur Internet. Par rapport au fait qu'on voit bien que la solitude, elle va prendre fin et c'est que du bonheur. Les couples où tout va bien, on voit un bel attachement, quelque chose de serein, de paisible, la belle étoile, j'ai envie de dire, un beau moment qui va être partagé. Hein. On récolte beaucoup de bonheur avec ce côté, j'ai envie de dire, de bouquet. Voilà, je vais y arriver. Nous avons des informations, des échanges, des invitations peut-être, un changement. On a quelque chose qui effectivement bouge, qui évolue, si tel est le cas. Hein. Attention, peut-être aussi qu'une femme a essayé de poser un problème, d'où ce côté, sans doute qu'on a coupé. Hein. On voyait dans le jeu que certains voulaient s'isoler parce qu'il y avait peut-être quelque chose qu'ils ne sentaient pas pour pouvoir passer un meilleur moment à deux. Et regardez ça, c'est pas beau ça? Et effectivement, c'est peut-être une solution qui était envisagée. Bon, allez, avant de prendre nos trois petites cartes avec l'oracle des amoureux, je vais faire mon 13 cartes avec Monsieur Béline. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Alors, on va partir pour notre week-end du 30-31 décembre. Allez, un Béline. Nous avons, on va retrouver une certaine paix, sérénité, par rapport à des ennemis. On l'a vu, les amis, comme quoi je devais faire Béline après, vous voyez. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui risque de vous poser un problème et vous avez décidé de retrouver la paix. On a vu que pour certains, vous avez décidé de trancher d'ailleurs. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 8. 12 et 13. Et au dos, nous avons le bonheur, les amis. Tout est dit, on ne va pas regarder derrière. Le bonheur, quelle que soit la forme. En dominant, nous avons des solutions. Vous trouvez la solution à tout problème, à toute situation qui va vous intéresser. Oui, concernant les solutions également, concernant une invitation, concernant quelque chose que l'on va fêter, en tout cas, vous avez bien la solution. Regardez ça, belle solution dans le couple. On l'a vu hein, tout au long de ce tirage, hein. Monsieur Béline nous le confirme. Belle union, bel accord, on va fêter quelque chose, on peut fêter quelque chose à deux. Quelle que soit la situation, on peut fêter quelque chose d'émotionnel. C'est que du bonheur. Et ça peut être avec un ami. En tout cas, il y a quelque chose de très sain autour de vous pour ce week-end, les amis. On pense à vous également. Alors, attention, on retrouve notre ennemi. On retrouve bien qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va essayer de profiter de vous. Soyez vigilants, bien entendu. Voyez, c'est cancan. C'est quand même quelqu'un qui parle sur votre dos. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse. Hein. Vous allez retrouver la paix, les amis. Elle a voulu revenir. Hein. Attention, vous allez retrouver la paix sur ce côté, sur le fait qu'on va essayer de vous mettre à mal. Hein. Il y a toujours des gens qui essayent forcément de faire mal aux autres. C'est dans la maison, dans la famille. Alors peut-être aussi que pour certains, vous n'êtes pas bien. Là, on n'est pas bien, on est enfermé. On se sent mal. Regardez, il va y avoir de toute façon, et ça dure depuis peut-être un petit moment, hein, il va y avoir aussi peut-être en lien un souci qui date depuis un petit moment. Peut-être aussi allez-vous avoir des nouvelles concernant des enfants, des petits-enfants. C'est un inattendu qui va se produire à vous. Cet inattendu, vous savez très bien que pour certains, c'est une trahison. La trahison risque de venir de la famille, d'enfants, de petits-enfants. C'est comme tel que vous allez en tout cas le ressentir, les amis. Mais regardez, surtout atténuez tout. Vous avez la grâce, magnifique carte hein, d'ailleurs, qui va atténuer toute la peine que vous pouvez avoir l'impression de ressentir. On voit qu'il y a des solutions qui sont là, les amis, malgré peut-être un désaccord niveau famille, niveau couple. On voit bien qu'effectivement, lors d'une invitation, il va se passer peut-être une dispute, un problème, un souci, en lien avec des enfants, de la famille éloignée, peut-être que c'est en lien avec un héritage. Hein. Vous allez retrouver la paix de toute façon. Vous pouvez aussi avoir la main tendue de quelqu'un qui va vous aider. Allez, j'en mets une sur accident, dispute, trahison, ennemi. On a essayé de vous mettre à mal, effectivement. Alors, accident, ennemi, trahison et le feu. Alors, l'accident. L'accident, ça peut être par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place. Ça peut avoir lieu dans l'entreprise, dans le travail, dans l'activité également. Et peut-être pu avoir un petit souci. On a essayé sûrement de vous arnaquer pour certains. La trahison vient peut-être effectivement d'un arrêt maladie ou de quelque chose qui vous a mis à mal au niveau du travail ou en tout cas de ce que vous essayez de mettre en place. Ça peut être un travail à domicile hein, d'ailleurs. Hein. La dispute, vous voyez, c'est des nouvelles. Vous allez avoir de toute façon des nouvelles, les amis. Alors, des nouvelles peut-être d'un contrat, d'ailleurs. On peut voir que vous avez de toute façon la grâce. Hein. Certainement qu'à un moment donné, il y a dû y avoir un problème aussi pour certains au niveau travail, au niveau arrêt de travail, au niveau travail de chez soi également. Alors, n'oubliez pas, vous avez la carte la plus forte et en plus, vous avez de toute façon les solutions qui sont amenées. Et les nouvelles vont arriver concernant un contrat. Les amis, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin de toute façon. Vous allez avoir un bel éclaircissement, hein. Vous allez pouvoir voir clair dans votre situation, la situation qui nous intéresse. Hein. Les choses avancent, hein. Même si elles n'avancent pas vite, elles avancent.
voyez, vous étiez dans la tourmente. Et vous avez la carte bleue, c'est la carte la plus forte. Mais je ne vais plus voir nulle part. Entre la grâce et la carte bleue, les amis, même situation conflictuelle ou confuse il y a eu, regardez ça. Vous êtes de toute façon, vous êtes béni. Eh bien, on va regarder maintenant, si vous voulez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des amoureux pour finir sur une petite note émotionnelle, sentimentale et douce, comme je les aime. Allez, week-end du 30 et 31 pour nos abonnés. Quelques messages, s'il vous plaît. Allez, encore un. Allez, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà les amis, j'espère que ce week-end du 30 et 31 vous a parlé, vous parlera, vous apportera plein de bonnes choses. Soyez extrêmement prudents. Si vous prenez la route après, après boisson, repas, soyez vraiment prudents. Il y a nous, mais il y a aussi les autres en face. Et ça, c'est voilà, il faut être très, très vigilant. Je vous souhaite pour ma part une excellente, un excellent week-end, un excellent réveillon. Je vous donne rendez-vous eh bien, pour cette nouvelle année qui nous attend toutes. Rendez-vous en 2024. Merci pour tout et à bientôt.